Salut YouTube! Euh, alors, on est vendredi. Le café est chaud. <laughs> ouais, c'est ça, c'est <laughs> C'est le principal. C'est le principal. On ne va pas se plaindre que le jeu fonctionne. Euh, donc, euh, YouTube, depuis lundi, euh, depuis lundi soir. Lundi soir, normalement, j'avais dit que j'organisais une session de jeu. On l'a faite. Ça s'est bien passé. On a, on a eu à, à peu près. Euh, on a joué pendant trois heures et on a eu euh, quand, quand ça marchait bien, on avait à peu près 5 à 7 joueurs, on va dire euh, en plus de moi qui, qui participaient, Donc c'était plutôt pas mal. En plus, on est dans une on, on l'a fait sur Twitch et sur une catégorie de jeux, euh, enfin sur une catégorie pardon de stream politique. Donc euh, ça c'est pas euh, c'est pas la majorité des viewers qui vont se balader dans cette catégorie, j'imagine. Et euh, j'étais étonné qu'il y ait du monde qui rejoigne la chaîne et qui regarde un peu ce qui se passe et qui euh, prenne du bon temps sur le jeu. On s'est bien marré. Ce qui fait que j'ai refait une session de jeu euh, mercredi soir. Et euh, pareil, euh, ça a bien marché. Oh, pendant une heure, on s'emmerde. Il n'y a personne qui vient. Euh, et éventuellement, les personnes qui viennent, vu qu'on n'est pas en train de jouer, ou qu'on joue tout seul comme, euh, comme un con. <laughs> Euh, on a, les gens s'en les gens vont, on va dire. Mais dès qu'il y en a un qui commence à s'intéresser et qu'on commence à jouer ensemble, euh, bah, la maillot que prend et les gens qui arrivent sur le stream euh, regardent, nous regardent en train de jouer, en train de délirer sur des, euh, sur des sujets euh, à cliver à la con, on va dire. C'est le but du jeu. Hein. Et euh, bah, les, ça a l'air de leur plaire. Donc euh, c'est plutôt cool. Qui fait qu'on va continuer. On va continuer à développer encore dessus. Donc, ce qui serait prévu dans les prochains développements du jeu du clivage que j'avais en tête. Je me suis fait une petit to do list là. Euh, les sons perso, c'est toujours, euh, c'est toujours en tête. Mais euh, bon, les sons perso, à un moment, euh, c'est pas le plus important. Euh, faire une vue crédit, ça c'est, je trouvais que c'était important parce que il y a un truc qui me dérange là actuellement dans le jeu du clivage, c'est que je fais tourner, euh, j'ai fait des, j'ai piqué des sons sur certaines vidéos et donc j'aimerais bien créditer euh, au moins le mec qui fait le bruit du son, que ce soit un personnage réel ou fictif, euh, par respect on va dire. <laughs> Et aussi, j'utilise une musique, euh, une musique en, en, en Creative Commons. Donc, c'est une musique normalement libre de droit, sous réserve qu'on n'en fait pas un usage commercial. Et pareil, euh, le, la licence Creative Commons euh, dit, euh, on peut l'utiliser euh, en dehors d'un usage commercial, mais sous réserve qu'on cite l'auteur, qu'on cite l'auteur et éventuellement le titre de la chanson. Donc, ça serait bien qu'on qu fasse une page de crédit. On va dire, bon bah voilà, les musiques, les musiques et les sons proviennent de de, de telles personnes et euh, moi personnellement ça va euh, et c'est rapide à faire c'est c'est pas, pas très long donc euh, j'aimerais bien faire ça euh, qu'on qu soit dans les clous par rapport à ça et ne serait-ce que pour euh, bah, créditer les gens quoi je veux dire les gens les gens font des les gens euh, font des réalisent des choses c'est normal qu'on les cite euh, si on utilise leur euh, leur production Alors, moi c'est mon avis. <laughs> Donc, euh, je vais faire ça. Euh, ensuite, la deuxième étape, c'est quand on lance un clivage. Euh, ouais, quand, quand, euh, quand on lance un clivage, on va, on va créer une, une, une pile de clivages. Euh, on, on va stocker tous les clivages quelque part. Euh, donc, on va commencer à faire un petit bout de back-end euh, dans, dans cette histoire pour pouvoir avoir un, un, une base de données de clivage. Comme ça, si jamais quelqu'un lance le jeu du clivage mais il n'a pas d'idée, et les joueurs, les joueurs dans le chat ne, du, du stream ne, ne proposent pas de clivage particulier, et ben on peut toujours piocher dans les clivages qui ont déjà été joués une fois. On va les prendre au hasard, et au moins ça donnera de l'idée, et on se retrouve pas dans, à un moment dans le jeu. Dans euh, Bon, il faut qu'on réfléchisse sur quoi on veut cliver. Si le mec il a pas d'idée, bah, pour le moment on va taper dans la pioche, dans la, dans la grosse pioche, en fait. <laughs> on a la petite pioche qui est la pioche de, des clivages qui sont proposés par le public lors de la session de jeu. Donc euh, plus le streamer hein, lui-même qui, 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 peut, qui peut faire ses propres clivages. Et on a une pioche, une pioche plus grosse, qui, qui est la pioche générale de tous les clivages qui ont déjà été joués et qui sera stockée, euh, qui sera stockée dans une base de données centralisée. Donc, ça, on va, on va le faire. Donc, déjà, on va sauvegarder les clivages. Ça, c'est la, la première feature. Euh, et ensuite, euh, là, c'est le fait de récupérer. Donc, c'est le fait de piocher un clivage dans le, 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 la pioche générale, en fait. Dans, dans la pioche générale, qui est la pioche centralisée, où il y, y, y aura tous les clivages qui auront déjà été faits. Et euh, l'idée, c'est qu'on va le récupérer de manière aléatoire, etc qui fait qu'on pourrait avoir des belles surprises. C'est un mec un mec ne pourrait pas pourrait s'attendre à ne pas avoir à cliver sur un certain sujet et il va piocher un truc rigolo quoi. Après il aura toujours l'option canard, c'est-à-dire je refuse de cliver sur ça, c'est un sujet qui me dérange. Voilà, c'est Alexandre Astier quoi, faut, faut pas cliver. pour <laughs> ça ça on va s'en occuper, on va, on va faire en sorte que, que, que ça continue à marcher. Il euh, y a une petite refacto de mes tests que je veux faire parce que euh, mes tests euh, des fois mettent un petit peu de temps à s'écrire alors qu'il y a un truc que je pourrais faire qui me ferait déjà gagner du temps et qui est assez rapide à faire. Donc ça à limite, je vais le faire en premier. Je vais le faire en premier, puis comme ça on a, on a une petite session de refacto pour ceux que. ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Euh, on fait que de la refacto, on ne change pas le comportement du jeu. On revoit légèrement le design du truc. Euh, ça, je pense que ça peut être pas mal qu'on le fasse. Euh, ne serait-ce que pour ceux qui veulent voir une petite session de refacto, mais enfin, elle est vraiment petite. Hein, donc, euh, on va, ne on va, va pas révolutionner l'application, mais moi, ça va me faire gagner du temps pour mes tests plus tard. Euh, mm, mm, mm. Ok, l'autre proposition qu'on m'a faite, et moi, j'y avais déjà pensé, je me suis dit, ça serait bien qu'on le fasse, mais vu que les gens m'en parlent, ça veut dire que ça les intéresserait. De, 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 que ce soit là, il y a des gens qui veulent plus de liberté au, au niveau du clivage. Aujourd'hui, un clivage, il a un titre et il a un choix gauche-droite. Euh, enfin, je, je clive à gauche, je clive à droite. Euh, pour certains, le choix gauche-droite, ça leur va pas. Ils aimeraient bien dire euh, j'aime ou j'aime pas, euh, banane et chocolat. Euh, euh, c'est con, c'est pas con, euh, on s'en fout. En grosso modo, ils veulent être capables de, 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 de définir la valeur du champ de gauche et la valeur du champ de droite, de, au niveau de leur clivage. Donc c'est ce qu'on va sûrement faire, c'est-à-dire qu'en fait, on va garder le choix par défaut gauche-droite, mais si quelqu'un dans l'interface... Je te montre un même dans la démo, ça serait peut-être bien quand même plus... On a quand même le jeu hein, qui est en ligne, donc on peut quand même. Euh, on n'est pas des animaux. On peut quand même. Euh, on peut quand même montrer à quoi ressemble un clivage pour ceux qui n'ont jamais vu. Donc là, je me connecte à mon chat Twitch. Hein. Il faut être connecté pour pouvoir jouer. Euh, donc, quand, quand on lance un clivage, on a euh, la gauche, la droite. On, fait, on crée un clivage. Et euh, voilà, on a gauche, droite. Et moi, quand je veux cliver à gauche. Point d'exclamation G, et voilà, mon petit personnage, il se retrouve à gauche. Ça, c'est OK. Euh, et ben en fait, il euh, y a des personnes qui veulent autre chose que gauche et autre chose que droite. Et éventuellement, changer la couleur, enfin, ça, on verra. La, la couleur, je ne vais pas la changer tout de suite, mais au moins, changer le texte euh, gauche et droite, en fait. Donc, au lieu d'avoir. Euh, euh, actuellement, c'est une énorme pour les choses de gauche et droite, c'est-à-dire qu'on est, on est vraiment déterministe. Eh ben, l'idée c'est qu'on dise que la valeur du champ de gauche et la valeur du champ de droite et eh ben, ça sera euh, ça sera euh, euh, comment dire euh, une autre euh, ça sera la valeur au choix du au choix du, du de la personne qui crée le clivage quoi donc ça ça il faudra qu'on le fasse attendez je, je retire la musique là, parce que moi j'ai la musique dans les, les écouteurs donc ça, il faudra qu'on le fasse. Je suis pas sûr qu'on ait le temps de faire tout aujourd'hui. Hein. C'est une, une, une vision des features qu'on veut faire à court terme. Et donc, on fera les prochains jours. Ah, L'autre truc qui me dérange aussi, euh, euh, c'est que euh, le bot ajoute les joueurs dans le chat quand... Enfin, euh, le bot ajoute les joueurs dans le jeu euh, du, du clivage. Euh, quand les viewers rejoignent le chat, euh, rejoignent le channel et que, grosso modo qui regardent, qu regardent le stream du streamer. Euh, le problème de ça, c'est qu'il y a des bots dans Twitch qui, qui, qui se connectent à la chaîne et ils sont considérés eux aussi comme des joueurs. Le problème, c'est que ça fait croire au streamer qu'il a beaucoup de joueurs connectés et qui sont prêts à jouer, alors que c'est pas le cas. Alors qu'en fait, la plupart du temps, enfin, en tout cas pour les petites chaînes, euh, ça va être des bots. Donc euh, ça va fausser, euh, ça va fausser la, la vision du jeu. On va avoir plein de smileys au niveau du clivage alors qu'en fait, il n'y a, a personne. Donc l'idée, c'est qu'on ne puisse plus euh, ajouter le joueur quand on se connecte. On va plutôt ajouter le joueur euh, quand il y aura un... un, un, comment, un... Il, en fait, il faudra que le joueur, il fasse au moins un premier message dans le chat. Donc c'est soit il commence à cliver direct, soit il fait coucou, soit il fait machin. Et donc grosso modo... Quand, quand, quand il va se connecter, euh, quand, quand, y aura, quand, y aura, quand il fera un message, on vérifie s'il est inscrit parmi les joueurs. S'il n'est pas inscrit parmi les joueurs, on le rajoutera. Et par contre, on a toujours le, le fait de retirer le joueur quand le joueur se barre du, se barre du, du chat. Donc, euh, donc ça, ça marchera toujours. Voilà. Et puis là, ensuite, on a les sons perso. C'est euh, c'est le on va dire le programme à court terme à court terme l'autre l'autre étape aussi qu'il va falloir faire alors avant ou après les sons perso c'est qu'il y a un retravail euh, un retravail de l'interface graphique qu'il faudra faire c'est-à-dire c'est pas c'est pas sexy et euh, le but c'est de faire une ambiance euh, une ambiance euh, barre, en fait c'était l'idée euh, ça va demander pas mal de boulot, euh, et donc je sais pas si je vais si je vais le faire. J'attendrai euh, peut-être de refaire quelques démos pour voir si ça marche bien. Alors Slordev, si jamais pour les bots dans le chat, il y a une data dans les tags euh, client nonce. Si elle est là avec une chaîne de caractères, c'est que c'est un réel compte utilisateur, même si le bot a un nom réel. Euh... Ah mais ça veut dire qu'il faut que je fasse un appel API pour euh, sur le joueur hein, en fait. Faut, faut parce que moi dans les euh, je, je, je te montre moi le, le dans le code. Tu vas peut-être me dire parce que ça, ça dépend peut-être de la lib qu'on qu utilise. Attends ça c'est mes events. On va regarder. Hein. Regardez justement ça me ça m'avait saoulé euh, cette histoire. Euh. Euh, Twitch, Chat Gateway. Donc moi, en fait, le, le fait d'ajouter le joueur, c'est sur l'événement onjoin au niveau du du TMI client. Et donc, quand il y a un onjoin, le onjoin, le, le lui, en fait, il me fournit le channel et le username avec euh, self abouléen. En fait, c'est... Euh... Et donc, pour moi, j'avais pas d'autres informations. Ah oui, non, par contre, oui, t'as le on message. Voilà, c'est ça. C'est OK. C'était ça, en fait. C'est le on message ici. Et, et c'est pour ça que j'ai dit on va sûrement faire l'enregistrement. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que le joueur il, il parle. Il faut qu'il ait au moins euh... Euh... quelque chose d'écrit dans le chat par le joueur pour l'enregistrer le, ou pas, en fait. Salut à Moranar. Euh, je mets pas un temps et il peut y avoir que deux choix. Alors, si tu me parles de temps, c'est le, le temps limite pour cliver Est-ce que je ne mets pas un temps limite pour cliver ou est-ce que c'est à la main du, du, du streamer Ok. On pourrait le faire. On pourrait le faire. Euh, pour le moment, vu que le, le streamer a la main, en fait, parce que tu sais, t'as as, as, as vu, on avait joué ensemble euh, quand, quand on se met à discuter, quand on se met à parler euh, café-philo sur un clivage. Ça peut, on peut discuter pendant 5 minutes, tout comme un clivage peut être pas trop intéressant et au bout de 30 secondes, on dit « Bon, allez, on passe au suivant parce qu'il se passe pas grand-chose. » Pour le moment, je préfère le laisser à la main du, 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 comment, du, du streamer qui choisit le, le temps. Mais par contre, si je vois que ce que tu me dis, là, le, le fait qu que les gens veulent un temps fixe, euh, à la limite, euh, si les gens le demandent, euh, je pourrais rajouter l'option de, de faire un, un auto... Euh, un auto new cleavage, enfin euh, tu vois, un nouveau clivage automatique euh, une, fois que le, une fois que le timer est fini. Quoi. Ça pourrait être le truc. Et est-ce qu'il peut y avoir que deux choix Alors, on pourrait faire un mode à trois choix. Hein. Le truc, c'est euh, les commandes. c'est... Il faudra peut-être que je revoie les, les commandes alors dans le stream euh, pour pouvoir cliver. C'est-à-dire, au lieu de dire le choix de gauche et le choix de droite, il y aurait peut-être le choix 1, le choix 2, et le choix 3, le choix 4. Euh ainsi de suite. Euh... Après, ça peut très vite devenir le bordel avec les choix multiples, mais ça peut être intéressant pour faire des clivages. Euh... Je dis ça parce que j'ai développé une application, euh... une application démocratique euh... où je faisais que deux choix. Mais moi, c'était pas le choix gauche-droite, c'était le choix pour et contre. Euh... Mais euh, en fait, c'est un autre mode de, de, de démocratique. On va dire, il y a d'autres modes de scrutin. Euh... On appelle ça des modes de scrutin, je crois. Je dis ça, je me suis intéressé un petit peu. Hein. <laughs> vu que j'ai fait des logiciels de démocratie directe. Euh, Il y a euh, un mode qui est assez intéressant et plutôt fair play euh, quand on a euh, des choix multiples, c'est de faire euh, le critère de Condorcet, par exemple. C'est de faire le vote sur le critère de Condorcet. Donc, grosso modo, on compte. Grosso modo, chaque, chacun va pouvoir trier la liste des choix dans, dans l'ordre qu'il veut. Et donc, euh, le choix qu'il préfère, le choix qu'il préfère un petit peu moins, puis le choix qu'il préfère encore moins, et ainsi de suite, ainsi de suite, jusqu'à avoir à la fin les choix qu'il déteste. Et en fait, euh, tout le monde va voter comme ça. Tout le monde va ordonner les choix multiples en fonction de sa préférence. Et à la fin, le critère de Condorcet, lui, il va compter l'ordre des liens euh, de, de, de chaque vote de chaque joueur. Et derrière, ça te fait le choix le moins pire. Donc c'est pas c'est pas parce que c'est le mec qui est tout en haut qui va gagner, c'est c'est le mec qui a le choix le moins pire. Donc c'est il ben, y a des mecs qui ont fait ce, ce genre d'études qui fait que par exemple si on aurait fait ça lors du premier tour de la présidentielle, c'est pas forcément le candidat qui a le plus haut euh, qui aurait le plus qui serait tout le temps le premier dans les dans dans les votes qui, qui serait forcément euh, retenu pour le deuxième tour par exemple. C'est le candidat le moins pire, en fait. C'est celui qui apporte le plus de consensus, on va dire, auprès, de la, auprès du, du choix de la population. C'est un peu particulier. Et la, méthode de calcul, de, la méthode de calcul est plus complexe. Et, enfin, plus complexe. Ça, ça reste un, quelque chose qui est calculable par un ordinateur, hein, si vous voulez. Mais en tout cas, la formule de calcul est un peu plus, un peu plus tendaxe. Euh, mais ouais, défaut, ouais. Faut, donc, je, en fait, c'est ce que j'ai dit. Je vais le faire. Je vais l'appliquer au niveau du message. Euh, et donc, quand moi je vais analyser les messages, euh, je vais faire quoi qu'il arrive. Un, je vais envoyer un événement supplémentaire qui est de dire euh, euh, dans mes cas d'usage. Est-ce que le play, est-ce que le joueur, quand, quand, il, quand il joue avec le jeu, est-ce qu'il fait partie des joueurs déjà Et s'il fait pas partie des joueurs, bah, je le rajoute dedans. Et dans ce cas-là, ça va, ça, va, ça va ajouter le joueur au fur et à mesure. Euh, ouais, c'est ça, et c'est ce que tu dis. C'est ce que je disais. Ouais, c'est Si jamais il y a plus de choix, on pourrait faire le choix 1, 2, 3. Pour le moment, je me concentre que sur le choix 1 et 2 parce que ça force aussi les gens à faire des clivages simples. Parce que quand tu commences à faire des choix multiples, euh, ça va partir dans tous les sens. Et euh, ça va être discussion philosophique pendant une demi-heure. Euh, quand tu vas avoir des questions à 15 euh, à 15 choix multiples, ça va être un enfer. Mais par contre, euh, si, si vraiment la demande vient, on, on le fera, tu vois. Si on, on le fera. Mais pour le moment, je préfère focus les choix simples et à par contre donner la possibilité de changer la valeur des choix. C'est au lieu de dire gauche droite, et ben on peut dire euh, on peut dire dire thé ou café. On peut dire, euh, on peut dire on peut dire euh, les anarcho-gauchistes et, euh, et, euh, et les islamo-gauchistes et les reptiliens. Enfin, on s'en fout, tu vois. On peut faire ce qu'on veut. C'est l'idée. Euh... J'espère avoir répondu à vos questions. Par contre, je le, je le note. Donc il y aura potentiellement plus tard. Choix euh... oui. multiple. Clivage. Clivage à choix multiple. Euh, C'était quoi l'autre Ah oui, et le temps limite. Le, 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 le... Ouais, euh, clivage. Temps limite. Ce qui sera intéressant aussi après, c'est qu'une fois que le temps limite est passé, une fois que le temps limite est passé, on fait, euh, on fait. Euh... Enfin, ça marcherait que. Ouais, pardon. <laughs> Euh, Je suis un peu caustique euh, sur, les... sur la politique. Je suis caustique. Euh, avec le clivage gauche-droite, en fait, à la fin du temps limite, j'aurais pu faire hein, en mode. Euh, au début, on a une espèce de musique de jeu euh, toute mimi euh, euh, pendant que ça joue. Et puis, quand le, quand le time break arrive, as le... si c'est une majorité de gauche, en fait, t'as un gros son euh, CCCP, euh, un gros chant russe, tu vois. Avec le drapeau russe flottant euh, en transparent, tu vois, pendant que pour, pour fêter la victoire de la gauche. Et puis, quand t'as la victoire de la, de la droite, euh, j'en sais rien, t'as. T'as. Les représentations de droite, j'aime pas ça. Mais genre, genre un, un, un drapeau Illuminatus, euh, un drapeau Illuminati. Euh, euh, ou un aigle un aigle impérial euh, si, on veut faire le, si on veut se le taper en mode guerre froide la représentation en mode guerre froide un gros drapeau américain euh, avec euh, avec, euh, ouais. avec de la musique, euh, de la musique euh, un, un, gros, euh, un gros hard rock des années 80 tu vois un truc dans ce goût là quoi en mode euh, les, chars, les chars qui débarquent euh, avec les aigles et, euh... et le général 3 étoiles <laughs> avec des mallettes de pognon. Et le problème, c'est que ça, ça ne le fait, on, on pourrait l'imaginer facilement uniquement si on fait que le clivage gauche-droite. Si on fait d'autres types de clivage avec d'autres valeurs, ça marchera pas bien. Il suffit que tu intervertisses les valeurs, ça fait chelou, quoi. Donc voilà. Mais euh, tous ces trucs-là, c'est plutôt facile à faire. Euh, le truc qui va prendre un petit peu de temps, c'est le le, de faire la, la, la défausse, enfin euh, la, la, la pioche centralisée, parce qu'il faut que je code un petit bout de back-end. Donc il y a à la fois le code front à faire, plus le code backend Mais bon, c'est 3kk, donc, normalement ça devrait bien se passer. Euh, le, le truc qui va demander vraiment du temps, c'est euh, le retravail de l'UI. Euh, si on veut faire une ambiance bar, il faut que je fasse le fait que quand il y a des joueurs qui se rajoutent, il faut rajouter de la des tables et des chaises. Il faut, il faut trouver une chaise libre dans le bar pour, que le, pour faire asseoir le joueur à sa chaise. Et donc quand le joueur il va cliver à gauche, il faut dire que le joueur va se déplacer sur une, une table de gauche ou une table de droite et donc faire déplacer le joueur, etc., etc., donc ça va être super sympa, ça va faire vraiment une ambiance barre, euh, mais euh, c'est un boulot, quoi, c'est un petit boulot à faire, euh... et j'ai peur que ça prenne beaucoup de temps, c'est ça qui m'emmerde, mais par contre, c'est vrai que ça sera, d'un point de vue quali, euh, d'un point de vue cali et pour attirer les gens, parce que là, bon, le, le, le jeu, il est dégueulasse, quoi, le jeu, le jeu comme ça, euh... le jeu comme ça, il est dégueu, quoi. Mais euh, donc, donc si on fait une ambiance bar avec euh, ça, ça, ou une ambiance parlement, enfin on s'en fout quoi. Mais euh, le problème c'est qu'on peut se retrouver. Le truc qui est compliqué là avec le jeu du clivage, c'est qu'on peut se retrouver avec euh, 10 000 personnes dans un stream. Et euh, donc il faut être capable de faire asseoir les 10 000 joueurs sur leur table et leurs chaises Donc c'est compliqué quoi. Mais bon. On n'en est pas là pour le moment. De toute façon, c'est pas, pas ce qu'on va travailler aujourd'hui. Euh, donc, il est quoi Ça fait quoi Ça fait 20 minutes que je stream Bah vas-y, on attaque. On continue. Je vais faire une session jusqu'à midi, midi et demi. Euh, donc on attaque la refacto des tests. Donc, euh, moi ce qui m'avait saoulé au niveau des tests. Euh, faut que je coupe le bot là. Où je coupe le bot là, sinon. Je peux pas... je vais pas jouer en même temps que je développe parce que sinon. Euh... Ah, la question que je me pose, tiens, éventuellement, pour que ça joue automatiquement pendant que, que je développe, surtout quand j'aurai la défausse, enfin, euh, quand j'aurai la pile, la, pile, euh, la pile alimentée là, automatiquement, euh, je pourrais faire un mode auto. Enfin, je vais me le noter. Je vais me le mod... Même avant le rework euh, du bar, je vais faire un mode auto. C'est-à-dire, en fait, le streamer, imaginons, il fait autre chose. Et moi, comme ça, dans un coin là de, 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 de dans un coin de l'écran, je peux mettre une miniature du jeu du clivage en cours et laisser les, les spectateurs jouer pendant que moi euh, je suis en train de dev. Et donc, si on, met, euh, si on met le temps limite, si on implémente le temps limite, on se dit euh, les gens ils ont, euh, ont euh, de 3 minutes pour cliver. Euh, à, la fin, à la fin du time break, euh, on passe au clivage suivant automatiquement, en fait. Soit le clivage suivant qui est proposé par les joueurs, soit le euh, s'il euh, n'y a pas de clivage suivant proposé par les joueurs, et ben on va piocher dans la, dans, dans la pioche générale. Ah, ça peut être pas mal. Comme ça, euh, si en plus de suivre le développement, les gens veulent jouer. Ou euh, si le développement, les gens, ils s'en battent les couilles, mais par contre, ils ont envie de jouer au jeu du clivage, eh ben, ils pourront jouer et ils verront, ils verront les résultats euh, euh, au niveau de l'écran. Ça, ça peut être pas mal. OK. Euh, J'ai fermé, Je ouais, fermé le jeu du clivage. Allez, c'est parti, les tests. Donc euh, on est au niveau du domaine. Euh, ce qui m'emmerde, ça va être assez rapide hein, normalement. Ce qui m'emmerde au niveau des tests, c'est qu'en fait à chaque fois que je les tests ont besoin, par exemple là des event, des event gateway. Euh, et donc moi je suis à chaque fois obligé de faire application gateway event. Donc c'est c'est un peu chiant quand je veux écrire. Moi ce que j'aimerais, c'est juste fournir application. Et ensuite, c'est dans le test unitaire que eux, ils vont euh, se démerder pour aller récupérer le, la gateway ou le repo qui, qui leur est nécessaire. Donc, pour faire ça, euh, ce que je vais faire, normalement, ça va être assez basique. Là, je, je fais ici euh, fake application à la place. Je renomme evenbus en, en application. Voilà. Et donc là, je peux faire application, gateway, event, on event, et ça et on, on garde le même comportement. Ce qui veut dire que là ici, j'ai juste besoin de mettre application, voilà. Et j'ai plus j'ai plus de problème de compile derrière. Le seul truc, c'est que ça va affecter tous mes tests. Hein. Il suffit que je parce que ce, ces tests là, je les utilise à plein d'endroits. Donc là, à plein d'endroits, il faut que je mette juste application. Et ça va rendre mes tests plus lisibles. Parce que le problème, c'est quand il y a 40 000 arguments dans, 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 dans les fonctions, euh, ça devient illisible, quoi. On n'arrive pas, pas à suivre. Alors que là, ça va, ça va rendre les tests plus petits et donc plus lisibles euh, à comprendre. C'est un des aspects que. Enfin, moi, c'est ce que j'ai compris. Hein. C'est un des aspects que les gens ont tendance à oublier quand ils font une approche TDD ou ATDD, c'est qu'ils oublient de refacto leur test. Il, il, les mecs, ils écrivent le test et puis ils le laissent il laisse tel quel sans se dire est-ce qu'il n'y a pas moyen de réduire la duplication, de le rendre plus maintenable, de plus utilisable, euh, mieux documenté, etc. Euh, et, et en général, ça coûte pas très cher de le faire. Et plus on attend. Plus on va avoir des tests qui utilisent euh, la, 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 la même boîte à outils et donc plus ça risque de prendre du temps après pour faire le, la modif en fait. Donc tant que j'ai pas encore 40 000 features dans mon jeu du clivage, euh, autant euh, revoir mes tests suite euh, au, au bon moment et pas attendre et pas attendre comme un con euh, que j'ai euh, 3 000 euh, tests euh, pour, pour tous les revoir. Déjà qu'en plus, je commence à en avoir un petit peu. Là, au total, j'ai 200 tests unitaires dans, dans mes tests de feature. Alors que l'application fait 3 kk pour le moment, ça peut aller très vite. Les règles du jeu. Là par contre, là, les tests, je suis content parce que... C'est vraiment pratique à l'usage et euh, il va falloir que je le fasse pour euh, quand je vais reprendre Robot Fighting Championship. La première étape que je vais faire là quand je vais reprendre, c'est que je vais me refaire une refacto des tests. Parce que là, c'est encore plus pratique à faire. Le, pro le truc que je faisais dans Robot Fighting Championship, c'est que je faisais à la fois euh, la validation des tests en given et je déclarais les repos, enfin j'interagissais avec mes repos dans les before, au niveau des before. Ce qui veut dire qu'en fait, je, je, je décris deux fois, enfin, je décris techniquement ce que j'ai en initial et je teste ensuite que euh, ce que j'ai initialement. Donc, autant faire un test qui dit given, donc sachant que j'ai quelque chose dès le départ et que c'est dans le test avant, avant de tester le truc. Euh, si, si on est en given, en fait, je vous montre, c'est un truc tout con, c'est si jamais on est given, ici, voilà, je le mets là, si jamais on est en given, et ben en fait, on, on affecte la valeur. Dans le repo, et on teste dans la foulée que c'est bien effectif. Donc ça veut dire que le test de given, quand il est en mode given, il va déjà tester l'état attendu. Ça, c'est normal, c'est le test unitaire. Mais en même temps, il va configurer le repo quand on est en mode given. Et ça, franchement, c'est. Euh, ça évite de faire du before, en fait, quand on y pense. Et donc on a à la fois la documentation vivante qui euh, qui se qui s'enrichit se, euh, et ça force à faire un test pour ça force à tester l'état initial ça force à prouver l'état initial avant de avant de, de euh, au lieu de configurer le before dans son coin et de pas savoir quand on lance les tests quand ça se pète la gueule bah, l'état initial il est décrit où il est comment c'est un peu l'idée quoi donc là, sur RFC, euh, quand je vais le reprendre, il faut que, faut que je fasse ça parce que c'est un bonheur à utiliser. là. Tac. Ça sert à rien que je relance les tests pour le moment hein, parce que je sais que la compile elle va péter. Hein. Tant que je n'ai pas, euh, pas réglé ça sur tous mes tests unitaires, euh... je ne peux pas faire un CTRL H là parce qu'on euh, s'emmerde. <laughs> On s'emmerde un peu. Donc tout ce qui est euh, application gateway event, tac, on le remplace par euh, application. Voilà. Ah merde. Ah fait chier. Euh, il faut ok. Donc je vais le faire comme ça. Les patterns, les petits patterns. Voilà, là ça devrait être mieux. Ouais, nickel. Nickel. Ça, je peux le faire partout. Quick. Je ne veux pas le faire sur, en, en général. Je vais, le faire, je vais attendre d'arriver sur le fichier pour le faire au niveau du, au niveau du module. Ce sera déjà pas mal. Euh, non, pas du tout. Je fais pas de mock, je fais pas de enfin, euh, ça dépend ce qu'on appelle mock parce que je sais qu'il y a des définitions. <laughs> Il y a des définitions, je fais pas de stubbing dans, dans mes tests, euh, je fais ce qu'on a... de la clinarchie et la clinarchie euh, grosso modo euh, au lieu d'utiliser des systèmes de stub euh, je fais ce qu'on appelle un fake, je sais pas si ça te parle mais grosso modo c'est une implémentation de l'interface euh, en fait je teste des repositories et des gateways et en fait c'est euh, ma logique métier quand, quand je commence à développer les features qui me dit de quoi j'ai besoin dans mes repositories. Et donc à la fin euh, un... Voilà, euh, mon fake qui ressemble à ça, je vais t'en montrer un si tu veux voir. Là, je suis en mode infra, par exemple un repository. Tu vois J'ai fait un cleavage repository et j'ai un in-memory cleavage repository. Euh, les... J'ai un contrat qui s'appelle Clivage Repository. Qui, euh, ça, c'est quand je développe euh, ma logique métier. En fait, euh, j'ai besoin d'un contrat avec de la tech qui me permet de faire toutes ces choses-là. En fait, euh, est-ce que euh, le, public le, le clivage public existe par son, par son titre, euh, ajouter, ajouter un clivage public. Euh, le prochain, demander, récupérer le prochain clivage. Vérifier s'il y a un clivage, charger un clivage euh, et sauvegarder le clivage. Voilà. Le clivage, le clivage oui. Et donc, moi, j'ai commencé par faire une implément in-memory. Comme ça, euh, demain, si je veux remplacer cette implémentation par, euh, par exemple, un back-end, tu vois, un back-end euh, clivage repository, euh, ça, après, je, je fais des appels API dans, dans mon back-end à la place. Et éventuellement, je mets de la logique backend derrière ou des choses comme ça. Ou alors, je, te, je peux directement, euh, au lieu de faire du in memory, par exemple, je peux faire, vu qu'on est dans le web client, si je veux avoir de la persistance, je pourrais faire par exemple euh, un cookie ou un local storage. Enfin, tu vois, un truc comme ça. Euh, je, pourrais, je, je peux modifier la tech. C'est un peu l'idée, quoi. Ou je pourrais faire un, je pourrais taper sur une base de données à distance ou des trucs comme ça, quoi. Pour montrer justement l'aspect intégration. Euh, parce que là, euh, vu qu'on est côté client et que je ne sauvegarde pas les sessions de jeu en local, euh, ça reste de l'in-memory. C'est-à-dire, l'in-memory que j'utilise euh, euh, pour euh, développer les fonctionnalités, c'est le, le, le repository aussi que j'utilise en production, pour le moment. Mais par contre, si je te montre une gateway, euh, si je te montre par exemple la chat gateway, en fait, on a une fake chat gateway. Qui est utilisé dans le cadre des tests. Et donc, il y a un contrat Chat Gateway qui est utilisé par le code métier pour les règles du jeu. Et donc, voilà, ça, c'est ce qu'on ce qu lui demande de faire. Hein. Envoyer un message, envoyer un message à un joueur spécifiquement, se déconnecter, vérifier si on est connecté et se connecter. Okay. Par contre, euh, ça, c'est ma fake Chat Gateway. Donc, tu vois, elle est complètement débilos. Hein. Euh, elle est vraiment basique comme. comme comme, comme euh, adapteur, en fait euh, comme, comme, comme euh, gateway elle est vraiment basique et ensuite j'ai fait une Twitch chat gateway qui est un peu plus énervée parce qu'il y a de la tech au cul et entre autres euh, au niveau de la Twitch chat gateway là je, je, c'est ici que je, que j'importe je, ma technologie c'est-à-dire que là j'utilise TMIJS pour gérer euh, pour gérer euh, la communication enfin le le, le le pour interagir avec le chat réellement quoi c'est un peu l'idée. C'est juste que là, bah, il est un peu plus énervé. Et normalement, moi, ce que j'essaie de faire, c'est que pour une gateway donnée, je fais un test d'intégration. Où en fait, euh, je construis le, la test suite d'intégration euh, par environnement. Un environnement, tu vois, je commence par un fake. Je mets un fake dans mon environnement. Et ensuite, je mets le, 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 la, la Twitch gateway. Et le but, c'est de faire en sorte de coder la Twitch Gateway pour que les tests passent, en fait. C'est un peu particulier. Je sais qu'il y a des gens qui sont un peu étonnés quand j'explique euh, ma façon d'arriver aux tests d'intégration. Mais euh, moi, j'aime bien faire ça. Je, je pars déjà de mon fake. Je fais en sorte de faire mon... Je, je fais en test after, en fait. Mon fake est déjà développé. Et donc, vu que mon fake est déjà développé, je rédige je ma test suite qui permet de prouver que mon que mon fake euh, fonctionne hein, grosso modo donc c'est quelques tests basiques hein. et entre autres là pour le chat la chat gateway bah je me connecte j'essaye d'envoyer un message à un joueur et puis derrière je me déconnecte en fait c'est assez basique et une fois que le fake une, une fois que la test suite fonctionne pour le fake bah en fait je rajoute le twitch euh, le la twitch gateway et je dois m'assurer que les tests euh, fonctionnent euh, si les tests fonctionnent, ça veut dire que normalement je suis intégré, en fait. Vu que ça va marcher avec la logique métier. Je sais pas si c'est clair, mais euh... j'aime bien j'aime bien développer comme ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Alors, et oui, dans mes tests, quand tu veux tester... Parce qu'en en fait, quand tu veux tester, euh, quand tu fais tes tests de domaine, tu dois pas euh, tester à l'intérieur du domaine, vu que tu dois créer ton domaine. Ton domaine métier va évoluer euh, par travail de refacto, par euh, rajout, de, rajout de comportement additionnel, etc. Donc, les trucs que tu peux tester... Euh, ce, que tu, ce, que, euh, euh, le, ce qui prouve que le domaine fonctionne correctement quand tu développes le domaine, c'est de prouver que ce que tu as rattaché à ton domaine, euh, que les conséquences qu'a fait ton domaine sur, sur son environnement euh, est bien appliquée de telle manière. Donc c'est pour ça que moi je teste l'état des gateways, je teste l'état des repositories, je vérifie par exemple s'il Je dis qu'au départ j'ai pas de clivage. Je dis que je veux créer tel clivage, donc à la fin, dans mon scénario, je suis censé avoir mon clivage dans le repository. C'est un truc. C'est débile quand on y pense, mais le fait de l'expliquer comme ça, d'avoir un test qui est écrit, c'est pas mal. Comme ça, moi, demain, si je modifie un bout de code parce que, tu sais, puis t'es fatigué, tu fais de la merde, et bah tu te dis, quand je lance mon test, mon test débile que j'ai fait il y a trois semaines, il va planter. Il va c'est, il va me donner un feedback qui va me dire, bon, bah voilà, là, ton tu as fait un truc qui fait qu'il y a une autre feature, que... enfin tu as pété une autre feature, quoi, en voulant faire le, le boulot que tu es en train de faire maintenant, quoi. C'est un peu l'idée, hein. Et l'avantage de ça, parce que bon, là, on bosse tout seul, euh, c'est facile, on peut se souvenir, on travaille, on travaille tout le temps, tu sais, on travaille tout le temps sur le même projet, donc tu connais, tu connais par cœur ton projet, mais une fois que tu as fait 40 000 features, que ça part dans tous les sens, T'es tombé malade, t'as pas bossé sur ton projet pendant trois mois, tu reviens, t'as tout oublié. Euh, c'est très bien comment ça se passe. Et je te parle même pas de la situation où tu bosses en équipe, euh, tu bosses pas sur les mêmes sujets que les autres, euh, chacun bosse sur sa feature, machin. C'est un bordel euh, innommable. Euh, L'avantage tu, 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 d'avoir ce code testé, c'est que tu vois à la fin, t'as quand même une description de ce qui est censé faire le code. Donc pareil, quand tu veux discuter avec le métier, t'as un expert métier qui te dit ce qu'il veut comme. Euh, comme feature, tu es capable de lui dire, bah écoute, sur cet aspect-là, nous, on a déjà fait ça. Voilà ce que le code fait à l'instant T. Par contre, il ne fait pas plus, il ne fait pas moins. Tu vois, tu lui dis, il ne fait pas plus, il ne fait pas moins. Donc si tu veux faire quelque chose en plus ou euh, modifier quelque chose qu'on fait actuellement, mais qu'on le fasse différemment, bah, explique-moi. Explique-moi, et moi je rajouterai dans les spécifications euh, ce, que, ce que tu, tu m'as décrit, en fait. Et franchement, ça marche bien. Pour peu que les gens euh, jouent le jeu... Euh c'est euh, vachement cool, quoi. Après, c'est ma façon de faire, hein, comme d'hab. Hein. Je, moi, je, je pousse pas, <laughs> je pousse pas les gens à le faire, mais euh, j'aime bien. Moi, le... ouais, personnellement, j'aime bien. Quoi. Le truc qui me dérange là, par exemple, c'est qu'il y a des endroits où je ne fais pas du JSON stringify sur mes objets, ce qui fait que là, dans la description, c'est pas clair. C'est pas clair. On voit pas bien les conséquences. Donc là, je vais avoir besoin de, de modifier les intitulés, enfin les descriptions dans mes tests pour décrire la, la valeur des objets. Ça je m'en occuperai, ça je m'en occuperai. Mais déjà, déjà je, je revois tous mes tests unitaires. Là, c'est euh, voilà là, le event is, event is sent. Je vais avoir plus que application ici. Donc pareil. Avantage de TypeScript ici au lieu d'avoir la fake event gateway, je mets fake application. application et donc là je peux faire application gateway event et je résous et je résous mes problèmes de compilation tranquillou ça se passe bien là il me dit que j'ai encore 17 problèmes parce que euh, pour pouvoir l'attaquer bien, celui-là. Euh... Ah, il y a du zen, il y a du wen. Oh, la limite, de toute façon, tiens, je vais pouvoir le. Je vais récupérer tout ça. Et à la place, on va faire application comme ça. Normalement. Ah, il y a du Zen aussi. Donc, je vais d'abord euh, modifier les endroits où j'ai que zen. déjà. Voilà, ça ça épure bien. Ça ça épure bien et donc là il y a encore du N zen ici. Tac. Tac. Voilà. Et il en reste encore un à cet endroit-là. Nickel. Donc là il me dit que j'ai plus de problème de compile, je sauvegarde tout, je relance mes tests comme d'hab suite à une refacto, je relance mes tests le plus souvent possible pour vérifier que je n'ai pas pété quoi que ce soit. Nickel, ça fonctionne. Et on passe à la suite. Donc là par exemple, ici on a encore du application gateway interface. Donc je pique ça. Non, je pique. Je vais d'abord modifier ça. Donc au lieu d'avoir une interface gateway, je vais mettre un... application Tac. application gateway euh, interface playing music nickel, nickel. je l'utilisais qu'à un seul endroit j'ai l'impression Ouais, c'est une interface dont play musique, donc là, vu que je le fais qu'une seule fois. Voilà. Ensuite, j'essaie d'accélérer le rythme. Fake application. Gateway, ouais, chat. ok, okay. c'est bon là il le prend pas là il y en a là il y en a et là, on est sur d'autres. On a du zen. Ici. Voilà. Nickel. Et là, on a euh, du given, tout court. Je sauvegarde. J'exécute mes tests pour vérifier que je n'ai pas tout pété. Ça fonctionne. Application, application, application. Et là, ici, alors, Event Interface as Notification. Ici, on fait euh, fake application. Application. Donc là, on fait application. Euh, C'était quoi euh, Interface. Interface notification. Voilà. Okay. Et donc là, j'ai trois tests en carafe. Là, c'est plus facile parce que j'ai tous mes fichiers de tests qui sont ouverts en même temps. Donc... Euh... Au niveau de l'IDE, euh, je ne suis pas obligé de lancer les tests pour savoir où est-ce que j'aurai d'autres problèmes de compile. Et de toute façon, vu qu'après la phase de refacto, je relance mes tests pour vérifier que je n'ai pas encore des problèmes de refacto cachés. On ne sait jamais. Ça, ça passe bien. Donc là, application, application, application partout. Nickel. Ça c'est bon. On va voir si j'en ai ailleurs. Là, ah, j'en ai ici. Fake application. Application. C'est la chat gateway. OK. Alors lui, il était été utilisé qu'à un seul endroit, d'accord C'est un peu plus pratique à lire d'être comme ça. Euh, la suite interface gateway aussi, play in music. C'était interface gateway. Interface. Ok. Super. Il est trop fort. Ok. L Application. Donc là c'est quoi Interface gateway aussi Gateway, interface voilà. Alors Lui il est pas mal utilisé On va faire cette recherche là enfin, Je vais y aller en... Je vais y aller de façon énervée on l'a qu'une fois. C'est plus pratique. Je vais le faire comme ça pour les autres. Euh, là. Ok. Ok. <laughs> Pareil. Je lance mes tests. Ok. J'ai revu un peu le son aussi, euh, je ne sais plus si je l'ai dit en début de vidéo, j'ai revu, revu mes réglages, euh, euh, parce que j'ai un problème avec ma carte son, c'est que je ne peux pas la régler au niveau de la carte son en elle-même, je ne peux pas régler le micro en mono, ce qui fait que de base le micro envoie sur le channel de gauche au niveau de vos écouteurs. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai fait un réglage dans OBS pour dire que le, le micro était en mono. J'avais réglé au début tout OBS en mono et le problème, c'est que je trouvais qu'il y avait des artefacts dans les voix un peu chelous euh, quand je parlais dans le micro et je sais, je savais pas pourquoi. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai re repassé OBS en stéréo au niveau du son euh, général et j'ai mis uniquement le micro en mono et en même temps j'ai revu le compresseur, j'ai revu, enfin j'ai revu l'ensemble des filtres. Euh, j'ai rehaussé aussi le niveau de son normalement le on est beaucoup plus sur un... enfin, le niveau du son général est un peu plus haut dans la vidéo fait que normalement ça devrait coller avec le niveau de son des autres vidéos si jamais vous me dites que le son est pas top et que ça va pas euh, le son est trop fort ça sature trop euh... c'est de la merde <laughs> vous me le dites et puis on essaie de on essaie de revoir les réglages on essaie de revoir les réglages euh, si, 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 si j'ai peur je ne suis pas un expert de ces trucs-là. C'est tout le temps un peu la misère, euh, surtout quand on n'a pas une carte son. Euh, une carte son de ouf. Je suis un peu déçu de la carte son que j'ai prise, hein, pour, euh, pour, euh, pour tout dire. Je pensais qu'au niveau des réglages, on aurait pu être beaucoup plus fin que ça, et ça me saoule. Surtout qu'à la base, je voulais juste une carte son, moi, pour euh, faire la prise de micro et éventuellement brancher au moins un instrument MIDI le jour où je voudrais me faire. Euh, des sessions de, de, de musique histoire de, de jouer de la merde pour jouer au clair de la lune à minuit comme un connard euh... ouais fake application ouais. Euh, application donc là c'est quoi c'est le cleavage repository donc là on est dans les repos cleavage yes bon la refacto c'est jamais très impressionnant quand on en fait mais par contre enfin en tout cas celle ci hein, c'est des refacto assez basiques. et par contre c'est un bonheur de refacto euh, sans être dans la douleur. Pour ceux qui connaissent, pour ceux qui font un peu de rework d'application, c'est quand même bien plaisant de se rendre compte qu'une refacto se passe aussi, euh, de manière aussi smooth. On va dire. quelle heure là en plus 11h20, tu vas voir que ce truc ça va me prendre la matinée. Ok. Petit dernier. Un petit dernier. Tac. Voilà. Tout propre. Je vais aussi euh, ranger mes tests aussi. Parce que mes tests se trouvent tous euh, là comme ça à l'arrache. Je vais les trier par euh, interface ou. Enfin par gateway, etc. Parce que là, euh, là c'est un bordel. Je vais faire des, vais faire des modules euh, des modules par type de test unitaire. Ça, euh, ça sera mieux. C'est quoi C'est la chat gateway. Gateway. Chat. Ok. Euh, je reprends. Alors, putain, là j'en ai plein là de qui sont pas faits. Ah oui, c'est parce que c'est le c'est là où je commence à dire qu'on a des joueurs. Oui, ah oui, c'est bon. C'est bon. Ah, la... oh, je fais de la merde. Ça me saoule. Ça c'est la... la souris. C'est parce que je ne suis pas encore habitué au aux raccourcis clavier dans l'IDE. Faut dire que je pratique pas. Je... je pratique très peu les raccourcis clavier dans l'IDE. Faut que, Faut que j'en fasse... fasse beaucoup plus que ça. Tout le, temps la main... tout le temps la main sur la souris. C'est casse couilles. Ça c'est à force de c'est le le manque de pratique. Donc, on est sur quoi là, Player Repository encore Player. Oh, je vais y aller. Euh, je, je vais en faire plus d'un coup hein, ce Samsung là. <laughs> euh...

Gateway Interface. Bon là j'ai 43 tests en carafe, on va, y on va commencer à y aller. Hein. Je sais pas si es encore là, Slordef, Je me suis chauffé tout seul euh... en te parlant hier là avec le jeu. Euh... Euh, tu sais quand je t'avais euh, indiqué de la musique, euh, de la musique euh, Dance of the Dead ou un truc comme ça. Là, je me suis chauffé tout seul sur une idée de jeu. Ça me saoule. <laughs> Putain, le, le nombre d'envies, de, le... le nombre de jeux qu'on a envie de créer, euh... ça me saoule. Trop de trucs. Trop de trucs. Ben alors, il ne prend pas lui. Ah. J'aime mieux ça. Merde, je modifie le mauvais truc. Putain. Et c'est vendredi, hein, ça va. Ah, là j'en ai plein. J'en ai plein, des comme ça. Encore 19 tests en carafe. Ça prend un peu de temps quand même. Hein. Je vais mourir quand je vais m'occuper de ça sur RFC. Parce que là, c'est rien là comme refacto. Ça prend un peu de temps parce qu'il y a quand même pas mal de lits. Enfin, il y a, il y a du test hein, quand même. Pas déconner. On a testé des trucs. Mais euh, par contre, dans RFC, ça va faire mal. Ça va faire très très mal. Ah putain. Ok, ça c'est bon. Euh... l'impression que je bougé un peu lui. Ouais. Ça c'est bon. Alors je relance mes tests hein, quand même pour vérifier que j'ai pas tout pétos C'est bon. Ça continue à fonctionner. Donc là j'ai que application, nickel. Là aussi. Ah là j'en ai un. Là j'en ai un. Euh, non, déjà on va commencer en faisant ça application application gateway interface ok de toute façon je les ai ici hein, euh c'est pas dans les entités, voilà. Ça c'est là, j'ai encore la fake interface gateway qui est utilisée donc à la limite je peux la virer ici. Parce que là, tout le reste c'est quoi C'est des entités donc il y a du ça King, ça je suis d'accord. Ça c'est euh, des types euh, event, entities, event, entities, 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 ouais, donc... et donc il me reste plus que ma fake application au niveau de l'infra, donc c'est pas mal. Donc là, on remplace par fake application. Donc ça veut dire qu'on a bientôt fini. Ça veut dire qu'on a bientôt fini. Gateway interface. Hop là. Gateway interface. Cette application. gateway interface gateway yeah. interface cool fake application application Et là normalement on est pas mal. Donc j'ai encore 31 tests en carafe parce qu'on a encore la spécification de l'interface ici, on va s'en occuper. C'est bientôt fini. Cool. facto là quand je pense qu'avant comment je me chiais dessus euh, dès que je voulais toucher un bout de code là si tu sais pas si t'as pété un truc et tout, alors que là putain à tout moment c'est de la triche c'est de la triche de coder comme ça à tout moment tu sais euh, tu sais si ça marche ou pas après t'as des cas un peu plus sioux ça arrive mais euh... En général, c'est parce que tu as, as mal préparé les choses, mais euh, là, putain, c'est tellement, euh, tellement agréable. Voilà. Donc là, j'ai tout fait. Normalement, j'ai tout sauvegardé. Je relance mes tests. Est-ce que j'ai un truc qui est pété On n'est pas à l'abri. Non. J'ai autant de tests qu'avant il n'y a rien qui est pété, c'est nickel. J'ai encore deux petits soucis, là, je vois il est 11h30, je vais faire ça, je pense, jusqu'à midi. J'ai deux soucis. Euh, mes tests unitaires sont en bordel. Ils sont tous dans le module unit test, et en fait là-dedans, il y a à boire et à manger, et j'ai envie de les regrouper par euh, par, euh, par gateway, ou par repo, ou par euh, event, en fait. Donc on va créer des... On va plutôt faire un dossier unit test, et ensuite on va faire des modules... Euh, des tests qui concernent le chat, des tests qui concernent l'interface, des tests qui concernent l'événement, euh, etc., etc., Ça va être mieux. Et j'ai un autre problème, c'est que sur certains tests unitaires, là dans le dans la description du test, euh, je décris des objets. Je, je fais pas, je fais pas un objet euh, stringify, enfin je fais pas un JSON stringify quand je veux décrire, ce qui fait qu'on n'arrive pas à avoir l'information ici. Et, faut... Et je ferai peut-être un retour à la ligne pour faire la description des objets, pour montrer qu'on a un tableau, euh, tableau d'objets, en fait. Je pense que ça sera pas mal. J'ai ça à faire. Je pense que je vais en avoir jusqu'à midi là, pour faire ces ce deux trucs-là, une petite demi-heure. Mais cette petite demi-heure, elle, elle sera bien investie pour comprendre ce qui se passe quand on aura une merde un jour. Euh, donc, petit, euh, euh... petit unit test là. Une test. Euh, je mets Unit Test dedans. Ça va me faire une modification de toutes les dépendances. Ouais, voilà. On le laisse faire gentiment. Il faut pas stresser parce qu'il y a Rollup au cul. Il y a Rollup au cul normalement dans tout ça. Enfin là, je suis en train de modifier que Mocha, mais. Je sais que des fois j'ai des effets avec Rollup. Donc maintenant. Maintenant que c'est fait. Euh. On va extraire, on va commencer à extraire. donc On déplace dans un fichier, sauf que lui on va plutôt... Euh, lui c'est quoi C'est euh, chat. Chat gateway. Voilà. Ah oui, donc là il faut que je remette les types. C'est chiant, c'est pas fait automatiquement, je sais pas pourquoi. C'est casse-couille, c'est pas trop grave. Donc, tout ce qui concerne, euh, ouais, je vais les faire un par un. Donc, ça, ça va dans l'interface gateway. J'ai un truc qui va pas dans l'event là. quoi Oui, ça, c'est pas grave. Ça, ça va se modifier pour tout le monde. Ouais. C'est bon, c'est le linter. Hein, c'est parce que je, par défaut, quand on le déplace, il met des doubles cotes. Euh... C'est pas grave. Ça va les couilles. Euh, interface gateway. Donc ça, ça... Merde, j'ai fait de la merde. J'ai fait de la merde. Voilà. Hein Convert to name function Non, non, non. Voilà. Move to new file. Tac. Petit name. Et donc ça, c'est interface gateway. Interface gateway. bien, l'appareil pareil, hein. type. Type. type, voilà, nickel, ensuite, ça c'est euh, event. Okay. Je sauvegarde tout, hein, je vérifie qu'on n'ait rien qui soit pété. Je peux continuer à lancer mes tests de temps en temps pour vérifier que j'ai pas pété un truc. On n'est pas à l'abri. Voilà, ça continue à marcher. Euh, donc là, c'est là où ça commence à devenir rigolo. Donc là, on a Interface Gateway à View. Donc ça, je le vole et je le mets dans Interface Gateway. Donc, tous, mes... tous mes imports sont pétés. Ils ne savent, euh, savent plus qui est où. Donc, ce que j'ai tendance à faire, moi, après, c'est que je vire la dépendance et je réimporte derrière. Missing import. Voilà. Là, il va falloir qu'on le fasse gentiment. Je vais peut-être y aller de manière un peu plus brutale euh, à un moment, mais euh, c'est juste pour tester le concept. C'est juste pour tester le concept de la refacto et vérifier que ça marche bien. En général, ça se passe bien, ça. Hein. Je l'ai déjà fait, mais c'est pour, euh... pour montrer à la commu comment ça se passe. Quand on fait ce genre de merde. J'avoue que la VS Code, il n'est pas super bien équipé pour le... les déplacements de fonctions. Ça aurait été vachement bien qu'il nous propose deux options quand on veut déplacer un truc. Je me le propose là. Attends, que je... Je, vais... je vais vous montrer après. J'aurais bien voulu vous montrer est ce que je veux ce que je veux dire interface view on a plus besoin interface gateway là oui donc là gearking on a besoin de ça interface view je rajoute les imports qui manquent je relance mes tests une fois que j'ai vérifié que une fois que je pense avoir terminé le déplacement il y a tout qui marche. Euh, ouais. moi ce que j'aurais voulu, c'est que là, en termes d'options de refacto, j'ai un move to new file. Donc je suis d'accord, ça prend le nom de la fonction, ça marche super bien, mais j'aurais bien voulu avoir une autre option qui serait de dire euh, move to existing module, par exemple. Et donc quand je clique sur move to existing module, il va éventuellement me mettre une arborescence en sélectionnant le module TypeScript que je veux en destination. Et ça va me le piquer, me le mettre au bon endroit, et toutes les dépendances qui étaient utilisées précédemment vont être mises à jour pour aller taper dans le bon module. Ça, je kifferais. Parce que c'est con, c'est une perte de temps. De... Là, tout ce que je fais, je, je le fais à la main alors que l'IDE pourrait le faire à ma place. Si ça se trouve, il y a peut-être des modules qui permettraient de le faire. Il y a peut-être des plugins VS Code qui permettraient d'avoir des options de refacto de ce type-là qui sont un peu plus véloces. Mais euh, ça serait trop bien. Quoi. Ça c'est de l'event. On va le mettre là-dedans. Pareil. Hein. On se laisse guider par les erreurs de compile. Tac. Et on a des tests en carafe. Voilà. Et ça, pour le moment, je suis obligé de le faire à la main. Donc c'est une petite, c'est une petite perte de temps euh, à chaque fois. C'est dommage. C'est pas. c'est pas la bonne. C'est pas la bonne. Alors. Merde. OK. Très bien. Euh, interface encore. Alors là, je vais y aller de manière un peu plus bourrin. Hop. Interface, 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 interface. Tout ça, c'est de l'interface. Allez, pouf. Là, ça va gueuler, hein. ça va gueuler à plein d'endroits. Voilà. Le chat, chat. Donc ça, c'est du chat gateway, je l'ai déjà. Chat gateway. Ensuite, player, player, cleavage repository, ouais, donc là, il y a cleavage repository. Je vais en bouger un. Hein. Voilà. Donc là, ensuite, euh, cleavage repository, cleavage repository... Okay. Voilà. Et enfin, euh... Player Repository. Là, j'ai pété plein de trucs. Hein. L'avantage, c'est que je ne renomme pas les fonctions, donc je serai capable de les retrouver. Si je ne suis pas trop con. Et on y va gentiment. Je rajoute tous les imports. Euh, là, fake application, il me dit qu'il euh, y a un pépin. J'ai quoi Pourquoi là il y veut pas Regardez. Voilà. Donc là, j'ai rajouté tous les imports. Euh, que pourquoi il m'a fait ça lui Oui non, ça c'est de la merde. Ça c'est de la merde. Ah, c'est parce que je ne l'ai pas exporté. Okay. Sport. Si Tout ça, on n'en a pas besoin. Ça c'est du... on sait des modules communs de tests unitaire. Tac. Euh, il me le fait toujours. Foiré. Detailed comparison message. Il est là. Est -ce il Pourquoi tu le retrouves pas Pourquoi tu ne le retrouves pas Ah, voilà. Unit test. Très bien. Nickel. Lui, il est bon. Euh, cleavage repository. Il y a un problème avec fake application. Là. Euh add all missing import lui euh... ah oui il faut que je mette un type ici j'imagine c'est ça euh... c'est ça qui lui va pas ah il y a un truc avec il du... y a du tone là Ah, c'est parce qu'il y a le player de tone qui a été. Euh... Ok, au niveau du player, là, ça a merdé. Ça, c'est chiant. Hein c'est chiant. J'ai des croisements de. J'ai des classes qui portent le même nom euh... avec euh... de la tech. C'est casse-couille. Ok, donc là, j'ai tous mes tests unitaires qui vont bien. Par contre, euh... au niveau de mes tests. Euh... Au niveau de, de mes modules de test, de mes tests suites, en fait on a des soucis pour euh, tout récupérer, vu que ça c'est pas géré automatiquement, donc je refais mes imports en fait. Dès que j'ai les imports de Pétos, je les réimporte. Et après, normalement, ça devrait aller mieux. Parce que ça, ça serait tellement bien s'il y aurait un plugin qui existe qui permettrait de faire ça automatiquement. Je suis sûr que ça doit exister, mais... J'ai pas cherché. Et si c'est pas fait, il y a un créneau sur ce sujet. C'est-à-dire être capable de donner des capacités de refacto euh, avancées à VS Code au travers d'un plugin VS Code. Il y a un euh, moyen de faire un truc. Faut pas que je me chauffe là-dessus parce que je serais tenté d'essayer de, de le faire. Le problème, c'est que j'ai jamais fait un plugin VS Code. Donc, euh, ça risque d'être long et chiant, mais euh, ça donne envie. Hein. Ça donne envie de le, de le faire. Voilà. Quelques petits soucis. On va régler tout ça. Voilà. comme ça moi après euh, ce qui va me rester à faire putain il va être déjà midi là ce qui va me rester à faire c'est euh, faire un, une description une description euh, des objets dans euh, dans la description de mes scénarios en fait Et comme ça, cet après-midi, on, euh, on retravaille nos features là qui, qui, nous, qui commencent à nous manquer. On va les prendre dans l'ordre d'importance. Ça va être pas mal. Tac. On n'a plus de problème nulle part. Euh, je vérifie que j'ai tout sauvegardé. Je relance mes tests. C'est ok. Je lance mes tests généraux. Pour vérifier. Là, j'ai eu un truc qui va pas au niveau du chat connect. Euh, ouais. Il y a eu un truc qui s'est pas... Ouais, là j'ai dû faire une modif. Euh... Là actuellement je fais un... Ok. Euh, là, je fais un player message. Ouais. Ouais. Pourtant, là, j'envoie le truc au joueur. J'ai peut-être pas modifié. Je vais regarder ça. Que je regarde. Que ça fait un petit moment que je pas lancé les tests d'intégration. J'y suis allé un peu en mode euh, no test hein, sur, sur l'intégration. sur La, la tech est un peu basique. Il faudrait, faudrait que je fasse un cleaning de ça. De toute façon, j'ai pas testé l'UI. Euh... Je n'ai pas testé les autres gateways autres que le chat Twitch. en fait. Parce que les autres sont difficilement automatisables. En tout cas pour moi. Ça c'est bon. Euh, si, le truc que je veux faire avant de terminer la session de ce matin, c'est de reprendre justement mes tests unitaires. Il y a des tests en fait qui sont. Euh, où je fais de la description euh, des objets. Je ne veux pas avoir objet dans. Là, si je fais un ctrl F sur Object, voilà, ça commence à y en avoir. Donc, Chat Gateway, au niveau de Chat Gateway, j'ai encore des. Exemple là. Euh, chat status, ça devrait aller. Je peux mettre ça comme ça. Euh, message for player, par exemple. Voilà, ça c'est un tableau de message for player. Donc je pourrais tenter de faire un JSON. Et on... JSON. Stringify, par exemple de ça euh, pareil ici j'ai stringify de ça qu'est ce que ça dit voilà donc là on a la description qui est enfin on peut lire la description à cet endroit là c'est un peu plus c'est un peu plus simple ça me va bien. Il se poser la question si on ne fait pas un retour à la ligne par rapport à ça pour faire les descriptions de tableaux, en fait. Euh, pour le moment, le, ça peut rester comme ça parce que je fais des tests assez basiques avec pas beaucoup de données. Donc, on s'en bat les couilles. Donc, pareil, cleavage repository. Euh, tech. Pareil, la mise en forme, elle est pas dingue. C'est bon. Euh, donc là, expected cleavage. Pareil, ti JSON Singify et euh, ici aussi. de tout ça. Ça c'est l'avantage de Refacto les tests, c'est qu'il suffit de le modifier qu'une seule fois au niveau du test unitaire et vu qu'on réutilise le test unitaire dans les scénarios, eh bah, ben ça affecte, ça l'affecte partout. Alors par contre là, voilà, ici on a un pépin. C'est euh, il faut que je fasse un detail set map, je pense ici. Enfin euh, il faut que je trouve le, le, le pour faire une description. Ouais il faut que je fasse un detail stringify for set and map. Euh, ouais donc c'est uh, stringify with detail set and map. Ok donc je vais exporter ça. Bon, grosso modo, c'est un JSON Stringify amélioré qui prend en compte le fait qu'il y ait des sets et des maps dans le, dans le JSON, enfin dans l'objet. Stringify with Detail Set and Map au niveau du clivage repository. On va tenter. Hein. Et pareil au niveau de l'Expected Clivage ici. Qu'est-ce que ça donne maintenant? Euh, là, au niveau des clivages, ça me le fait pas. Ça me, ça ne m'affiche pas les clivages. Faut faudra que je regarde pourquoi ça ne le fait pas. Faudrait que je regarde pourquoi ça ne le fait pas ce truc. Identify, value, detail, set and map. Donc pour chaque clé valeur. Ah, après, peut-être que. Ça ne le fait peut-être pas avec les sous-clés. Surtout que là en plus, je suis avec un tableau. Et vu que ah c'est peut-être euh, il, il est peut-être pas récursif le truc à l'intérieur. Il y a peut-être un truc comme ça. Et il faut que je regarde, il faut que je regarde ça. Euh, C'est peut-être à cause de ça. Je, ça, je verrai. Ça, je verrai. C'est pas. pas euh, ça me. Comment dire C'est pas un gros problème pour le moment. Je vais, je vais passer outre. Je vais passer à l'interface gateway. Là, on a plusieurs notifications. Euh, par contre. Pourquoi je fais Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah oui, ok voilà, les notifications sont envoyées. Euh, là, ça mérite, euh... ouais, ça mérite. <laughs> On va extraire les notifications une seule fois en fait. Là, le arrêt, arrêt, notification, notification, comme ça. Euh... Ah, il me le propose pas. Bon bah, je le pique. Ah, merde, ouais, il me le propose pas parce que. Ok, je vais le prendre ici. extract ou constante dans la row fonction et donc ça c'est euh... notification notification là, je mets un n majuscule voilà. et donc là comme ça ok et donc là ça veut dire que je peux prendre les notifications ici et par contre faut que je fasse un return Voilà. Nickel. <laughs> euh, ça c'est bon. Alors, où est-ce que j'ai. Ah un cleavage. Voilà. Donc là, il y a un clivage. Donc ce expected cleavage, il faut que je fasse un JSON string leaf. Euh, euh, Non. Un string leaf, stringify with detail set and map. Ah bah là j'ai pas de tableau là normalement. ici je devrais avoir un peu plus d'infos. Ouais, ah non, pareil, j'ai un problème avec les clivages là, ici. Il n'arrive pas à décrire les clivages. Chelou. pareil, là c'est vu qu'il y a des sons. On aura peut-être encore des objets. De toute façon à la fin je referai un check sur les objets. Zone volume c'est pas un tableau. Enfin c'est pas un objet. Expecting musique de volume pareil. Musique. Une musique, si une musique c'est un classe. Donc c'est vrai player de musique like. ouais. là je vais faire je fais un clear je relance mes tests et je vais refaire une recherche sur objet pour voir si je l'ai encore si je l'ai encore dans les descriptions ouais donc c'est au niveau du player repository Players. Stringify Players. Voilà. C'est pas propre. Voilà. Clear. Je lance les tests à nouveau. Recherche sur objet. C'est au niveau des scénarios. Ok, donc il euh, y a une description de scénario au niveau du player quit. Player quit. Ouais, donc là il y a player 1. Ok. okay. Jason Stringify player 1. J'oublie de faire un clair à chaque fois. Et ah oh putain et euh... ça veut pas. Hein. Ok donc recherche sur objet. J'en ai encore donc c'est au niveau de l'event gateway, ok. Je vais d'ailleurs faire un event. Gateway. Yes. Non, je vais plutôt faire le, le hit. Je le mets. Là. Ok, euh, ici, event. Season. J'ai pas de 7 et de map hein, là-dedans. C'est vraiment au niveau des clivages que j'ai ça. 7 et les maps. Ah. Il y a un truc qui va pas. Qu'est-ce que j'ai merdé Oula, oui. Ça, ça a merdé. Euh, ça... Ouais, ok. Ça a merdé. Donc ce que je... Mais ouais bah ça pas ça ça a, ça a niqué tous les imports là au niveau de nickel <laughs> bon, je suis bon pour me taper tous les fichiers de test allez c'est parti euh, bah, tu me diras je peux faire un CTRL H ça et puis euh, je le je le remplace par rien ouais. Puis là, on refait les imports. On refait les, on refait les imports proprement. L'appareil, ça... On ne place pas rien du tout. C'est chiant que ça, ça, a foiré comme ça. Je suis peut-être allé trop vite dans, dans les modifs. après normalement on devrait être pas mal et puis après j'y vais mindg et on rattaque le développement des fonctionnalités dans la, dans la foulée ok je sauvegarde tout je relance mes tests pour vérifier que j'ai pas tout pété c'est bon ça remarche Voilà, je fais un clear je lance les tests à nouveau et on refait à nouveau une recherche sur objet pour voir s'il y a encore objet qui traîne dans les descriptions de messages. Au niveau des oh, il y a encore des descriptions de scénarios où j'ai fait de la merde, donc c'est dans player message. Player message ici, à un moment, ouais, moment voilà, j'ai mis player 2. JSON Stringify Player 2. Par exemple. À chaque fois, j'oublie de faire un clear. Hein. Double peine. Oh, c'est con, je dois attendre 3 secondes pour que mes tests fonctionnent bien. Oh. Ah, attends. Il y a player join. Ok. Il y a. Ah, il y a un quoi là Au niveau de la chat gateway, il y a un truc qui ne va pas. Ah oui, non, c'est dans le message. Donc, c'est au niveau du scénario 7. Player cleave. En plus, c'est dans le message. Il n'y a pas de clivage en cours, attends un peu. Et là, je mets objet-objet. Donc là, il y a un truc qui va pas. Euh... Donc, Chat Gateway. Non, c'est Player Cleave. C'est ça, hein Player Cleave. Et où Je ne l'ai plus. Player Applause, Player Cleave. Scénario. Euh, on a dit quoi Scénario 7. Voilà. No cleavage, please wait. No cleavage, please wait avec un... Ouais, voilà. Donc là, j'ai laissé player. Donc là, c'est encore pire. Voilà. Ça, c'est directement la business logic qui fait de la merde dans mes messages. Il y a l'internationalisation de l'app aussi qu'il va falloir que je prévoyais de faire. Bon, ça c'est pareil. Tant que j'aurais pas atteint un certain nombre de joueurs, euh, déjà en France, euh, on va pas s'exciter pour le transformer en anglais. Donc il y a toujours player join, il y a toujours. Alors les scénarios 6 au niveau du player cleave, d'accord Donc euh, player cleave scénario 6. disons string list player 1 Voilà. Ah et puis il y en a ouais OK. Tac. Tac. OK. Je fais un clear, je recommence. C'est cool, comme ça, après, on repart propre. Ça fait plaisir. Ça, player join, faut que je m'en occupe. Navigate, ça va pas aussi. Player join, et, ah, et encore. Scénario 6. Scénario 6 pour player cleave. Il est là. Ah, alors attends, est-ce que j'ai, est-ce que j'ai oublié de clear mon histoire? Player join, navigate, player join. Ah oui, non mais ça me remonte encore euh, plein de fois. C'est quoi cette merde? Si je fais un clear, attends. Je kill le terminal et j'en ouvre un nouveau. J'ai l'impression de jouer à Camulox. Je kill un terminal et j'en ouvre un autre. Et ensuite, j'ouvre la boîte à Camembert et je trempe le chat dedans. Player join. Navigate. Player join. Navigate. OK, il reste plus que ça. Donc, navigate. Scénario 1. Navigate. Il est où ah oui, donc là il y a un new navigate event. Donc là il faut que je fasse un, un JSON de mon événement de navigation. Et ensuite on avait dit c'était quoi? Player join. Ok. Euh, player join. Dans le. Ok. Unify. Player 1. Voilà. Je, Je kill le terminal. C'est leur d'être incoming. Salut les mecs à GoFlood Mes petites features. Mais vous venez quand j'ai fini et que je vais partir manger, hein Ah oui. Salut les mecs. Non, non, je ne pars pas. Je mange plus. C'est fini. régime. C'est, le régime. C'est le régime Twitch en fait. Dès que c'est l'heure de bouffer, les gros streamers, on vient les, on vient les raids et on dit non, tu ne manges pas, tu bosses, connard. <laughs> On d'enfoiré. Okay. Okay. Ouais, on n'a pas fait grand chose ce matin. Déjà, j'étais à la bourre, euh, je suis claqué. Je suis claqué de ma semaine. C'est les jeux du clivage en soirée. Euh, ça m'a crevé. Un ah, zizou toi-même, tu sais. <laughs> les raids. Les raids, c'est l'agression. Euh... Euh... Mais en même temps, c'est pour la notoriété. Donc euh... Et puis c'est imposé par le streamer. D'une manière générale, j'aurais tendance à dire les raids. Les raids c'est de gauche. Mais vu que c'est Twitch. Euh... Non, les raids, c'est de droite, mais vu que c'est Twitch, en fait, c'est un raid de gauche. Mais de toute façon, là bientôt, on aura la feature où on pourra changer euh, gauche ou droite, on pourra mettre autre chose. Donc on pourra faire euh, les, raids, les raids Twitch. J'aime ou j'aime euh, pas Ou j'aime pas ou les raids Twitch, euh, c'est du thé ou c'est du café tu vois On ne sait pas. Euh, alors, est-ce que j'ai encore un objet qui traîne dans mes descriptions Non, c'est bon. Mes descriptions sont réparées. On a fait la refacto. Donc euh, nos tests sont un peu plus pratiques à écrire. Exactement. Le raid Twitch... Euh... Non alors il faudrait faire pain au chocolat ou chocolatine. Est-ce qu'on raide Est-ce qu'on raide quand il y a les pains au chocolat ou est-ce qu'on les raide quand il y a des chocolatines tu, vois tu vas dans des endroits, tu dis pain au chocolat, tu sors pas, tu sors pas, hein tu ressors pas de la ville. Hein C'est foutu. Hein la team pain au chocolat est un peu plus, euh... comment dire, tolérante. <laughs> Le mec qui parle quoi, le mec qui parle sur la Team Chocolatine. Oh, oh la vache, Slordef, tu viens de me faire un nœud là. Oh. J'ai mal, <laughs> j'ai mal et j'ai faim. <laughs> Ah oui, non, mais le, de toute façon, on sait très bien que les gens qui regardent Twitch, c'est des gros droitos. Les, les mecs, tu, tu, tu sais que ça va, tu, ça va, ça va voter entre LR, LREM, LR et, euh, et le Z. Hein. Mais euh, bon, qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu veux Ça, c'est hein Ça, c'est C'est foutu, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise Le seul endroit où ça vote de gauche sur Twitch, c'est sur le. C'est sur euh, le channel d'Usul, tu vois. Et encore, c'est 50-50 hein, chez lui, hein, c'est pas sûr. C'est pas sûr. Mais je pense que c'est là où t'as. C'est là en fait où t'as l'électorat de gauche. Tu vois, où on dit qu'il n'y a que 20%. Euh, <laughs> t'as tout l'électorat de gauche qui de Twitch, qui est, qui est chez Usul, le reste, euh, le c'est on n'a pas le temps, quoi. On n'a pas le temps, faut faire du pognon. Hein. Oh comment il parle. Oh. Bon, euh, donc j'ai refacto, euh, refacto les tests qui vont bien cet après-midi, si je reprends la tout doux. Qu'est-ce que j'avais prévu de faire euh, La refacto des tests, c'est bon. Ok, ce que je fais cet après-midi, rapido, je me fais une petite page crédit quand même pour créditer euh, les sons. Enfin, je vais créditer ma gueule, déjà. Je crédite ma gueule. Euh, je crédite les sons. Je crédite la musique. Et on a une page de crédit. Nickel. Et derrière, on va faire euh, la sauvegarde des clivages dans la pioche, dans la pioche générale. Donc, on va, on va sauvegarder euh, chaque nouveau clivage qui sera fait dans le jeu du clivage, va être sauvegardé dans une base de données centrale. Ça, ça va le faire. Et ensuite, euh, être capable de récupérer le clivage de la pile générale. Donc, on va, faire, on va essayer de faire ces deux features pour aujourd'hui. Je pense que ça va prendre un petit peu de temps parce qu'il y a le back et tout le merdier, là, là, vu que je pas encore le back -end de back-end de fait. Enfin, j'ai qu'un web-server basique euh, en statique. Euh, on va faire une petite API vite touffe et puis, euh, puis c'est parti. Euh, et euh, si, on est, si on est performant, on fera peut-être justement les clivages custom, c'est-à-dire on n'aura plus droite et gauche. Enfin, on aura droite et gauche par défaut quand on crée un clivage. Mais si euh, le mec qui crée le clivage veut mettre autre chose que, euh, que gauche-droite, bah, il pourra mettre euh, pain au chocolat et, et, et chocolatine. Enfin, grosso merdo. Ça, ça va être pas mal. En termes de prio... En termes de... Terme de prio, j'aimerais bien faire ça en premier, après les crédits. Il faut que je répare cette histoire de, de joueurs, en fait. J'aime bien savoir quand je joue, euh, quand je joue là, le soir au jeu du clivage, j'ai pas envie d'avoir euh, des faux joueurs à base de bots euh, Twitch. Parce que là, actuellement, il y a beaucoup de joueurs qui arrivent... Euh, je suis en mode ah, c'est génial, j'ai 10 joueurs sur ma session de jeu, et en fait non, c'est les bots qui, qui, sont, euh, qui sont déclarés. Donc le but là c'est qu'on fasse en sorte qu'on ait plus les bots. Euh, pour pouvoir être un joueur dans le jeu du clivage, il faut avoir parlé au moins une fois dans le clivage, dans, Il faut avoir parlé dans le chat. Voilà. Et on sera comptabilité, comptabilisé pardon, comme étant un joueur. Il faut avoir parlé, il faut avoir clivé, peu importe. Du moment qu'on interagit avec le jeu, on est un joueur. Ouais, ouais. Bah, en fait je me suis renseigné. Hein. Je me suis renseigné sur le, le problème des de, de ça, c'est que euh, les viewers, euh, tu sais t'as des viewers euh, qui lurk. Euh, la plupart ils lurk, surtout en soirée. Le mec il est pépousse dans son, dans, son, dans son plumard, il a pas forcément envie de jouer. Donc à la limite c'est pas plus mal. Si, si le mec il veut pas jouer, il cause pas dans le chat, il est pas comptabilisé dans les joueurs, ça le fait aussi. Ça le fait aussi. Et de toute façon, le retrait du joueur est déjà développé puisque c'est un joueur. C'est euh, lors du on-leave. Enfin, euh, c'est le on-part dans le TMI. Euh, dans TMI.js, il y a quand, quand, quand le joueur se casse du, du channel. Et euh, quand, il, quand il se casse, moi je le retire de la, pile, de la file de joueurs s'il était présent dans les joueurs, en fait. Jouer gauche ou droite Oui. <laughs> ok, donc on fait ça cet après-midi. Après je ne pense pas que j'aurai largement euh, pas le temps de tout faire, hein, mais euh, l'ordre me plaît pas mal. Euh, le mode auto, ça va, ça va être sympa parce que, comme ça, si j'ai envie de. On, on, pendant que je ferai mes sessions de dev, on aura le, le jeu du clivage qui sera mis de, dans, un, dans un coin du, de l'écran du stream. Et donc, vous pourrez jouer euh, en. Les viewers pourront jouer en autonomie au jeu du clivage alors que moi je peux développer mon truc. Ça, ça peut être cool. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on mette un timer pour faire euh, la fin automatique d'un clivage. Par exemple, toutes les deux minutes, on en lance un nouveau. Et on active le mode auto, justement, qui active le timer et qui va faire automatiquement les événements de nouveaux clivages, etc. Et la pioche, et, et euh, la récupération du clivage dans la, ploche, dans la pioche. Pardon. Ça, ça peut être cool. Ok. On est bon. Et ça, 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 ça c'est euh, la roadmap. Euh, ça, c'est la roadmap un peu lointaine et euh, chiante, on va dire. Enfin, chiante, lourde, lourde à faire. Ok. Euh, allez, c'est fini pour moi, YouTube. Des bisous.